Myriam et Younes vont avoir 2 heures pour manger tout ce qu'ils veulent en vidéo. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. En gros, vous avez 2 heures. Vous allez devoir aller dans un fast-food, ramener votre nourriture et manger. Vous n'avez pas le droit d'enchaîner les fast-foods et ensuite revenir. Il faut absolument que quand vous achetez quelque chose, vous le ramenez, vous le mangez et vous repartez. Ça va être très très dur. Bonne chance à vous. Et si on n'en peut plus, on fait comment? Mon estomac, il est tout riquiqui, moi. Vous avez le droit à une seule pause dans le challenge. On va s'attaquer à des vrais trucs. Vous attendez quoi? C'est parti. Alors c'est moi qui m'occupe du chrono, mais comment je vais faire pour manger pendant 2 heures? Younes, faut qu'on trouve une technique, regarde mon petit ventre. T'inquiète, j'ai la solution, vas-y, habitons, on y va. La technique, elle est super simple. On a 2 heures pour manger un maximum de choses. On peut pas manger un grec, moi je mange un grec jusqu'à 23h, je peux plus. On peut pas manger un taco, c'est pareil, il faut manger un truc qui glisse. Comme ça après, on rentre à la maison, on repart chercher un autre truc. Donc j'ai pensé à des pizzas. On va commencer par des pizzas, une bonne pizza ça glisse. Et après on verra comment on sent dans l'estomac et ça, ça va passer, t'inquiète pas. Et bien sûr le coup, une pizza entière pour moi. T'inquiète pas, une pizza ça glisse. En plus Myriam, il y a une nouvelle pizza qui vient de sortir, j'ai envie de la tester. De toute façon on peut manger tout ce qu'on veut, frère. C'est comme la pizza aux chips. Non, j'espère pas. C'est parti pour la pizza. Oh, j'ai peur à Younes. Mais non, mais t'inquiète mon frère, ça va être super bon. On est arrivé à la pizza avec Myriam, on attend le vendeur, regardez, il y a des pizzas de malade, des desserts. T'inquiète Myriam, demande qu'est-ce qu'il va nous conseiller. Bonjour, tu me conseilles quoi mon frère? Je te conseille ça, regarde. Il y a une nouvelle pizza, non? Il y a la nouvelle pizza, la Fabulous. Oh là là. Elle a l'air incroyable. Moi je vais prendre celle-là Myriam. Et elle, c'est plus une fit à la campagne. C'est en quelle taille du coup? Senior. Oh, il a acheté une offerte. Bah, en vrai, la campagne. La campagne. Est-ce que tu penses qu'elle peut, finir une pizza senior, elle? Je pense qu'elle est balèze. Elle est balèze. Par contre, quand on a la pizza à la maison, faut finir. Oui. En tout cas, la famille, nous, on a pizza time vos jours. Franchement, c'est la qualité. Bon, on attend les pizzas, après, on va manger ça. On a combien de minutes, Myriam, s'il te plaît? On est à... Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. J'espère pas plus de 20 minutes, sinon on n'aura pas le temps, frère. On a 11 minutes. 11 minutes, ok. Tu fais quoi avec des sucettes? Il m'en a offert une. Oh, il est trop gentil. Bah, les gars, on retourne avec la commande et tiens-la bien. S'il y a une pizza qui tombe par terre, je te promets, je mange ta pizza. Et allez à Pizza Time, c'est incroyable. Bah, t'as même pas encore mangé? Mais je sais pas. Ah, bon. Ils sont gentils en mode. Ouais. Ouais, bel accueil. On est à 25 minutes déjà. Ok. Donc, on va découvrir la première pizza. Je la montre avant moi, vous me dites rien. Ok, ça c'est la. Oh, ça c'est la nouvelle. Oh, tous les ingrédients qu'il y a. Ouloulouloulouloulouloulou. Fais voir la chaîne. Fais voir la chaîne. C'est de la sauce harissa. Comment ça de la sauce harissa? Moi je mange pas de la sauce harissa. Ensuite la deuxième pizza du challenge. Je vous la montre. Attention. Ouh, une bonne pizza campagnarde. Et pour finir, regardez ce qu'elle a pris. On s'est pris ça aussi pour nous. Mais on est trop bête, on va avoir grave mal au ventre. Des chicken wings. Alors 3 pour moi. Et 3 pour moi. J'ai tellement faim, je dois aller me laver les mains, mais plus tard. De toute façon, je me suis lavé tout à l'heure. J'ai 3, t'en as 4. Comment ça t'as pris 4 chicken wings? Tu vas pas assumer le reste de la journée, écoutez bien ce que je vous dis. Le monsieur au Pizza Time, il a dit tu vas manger tout ça, on verra. On va commencer par les chicken wings. Ouais, ça, on la garde pour la fin, Bismillah. Oh là là, mais moi, ouais. Je pense pour la pizza. Je suis dégoûté pour le poulet mskin qui s'est fait avoir, mais désolé, bismillah. C'est gras, c'est... Va être une journée super compliquée, mais vas-y, on réfléchit après, pas, on mange, après on verra. Bismillah. C'est incroyable. C'est quoi, il y a des sauces? Tu veux taper avec les sauces? Vas-y. Ils sont spécialistes dans les pizzas ou dans les poulets? Même le poulet, il est grave bon. Je la mets où? Ok, sauce barbecue. Bacon burger. Barbecue, bacon burger. On va attaquer la dernière pizza de Pizza Time, les gars. Elle vient de sortir. On a du poulet, de la viande hachée, des oignons rouges, de la sauce samouraï. C'est trop. Algérienne plutôt. Ouais. Oh là. Alors? Ça goûte bon. Oh là là. Je vous dis, une pizza, ça passe crème. On va pouvoir remanger après, je pense. Ça, c'est doux, ça glisse. Ça fait partie de mon favori. C'est mon favori, la pizza. Tu veux goûter la mienne? J'ai oublié un truc. Quoi? J'ai oublié de dire bismillah. Je l'ai dit, non? Bismillah. Tiens. Normalement. Ouais, je goûte la tienne. Normalement, on peut choisir les pâtes. On peut mettre une pâte fourrée au fromage, mais on a oublié les imbéciles qu'on est. Attends. Bismillah. Tu vas péter un câble. Mange la droite. Jamais manger de la gauche, je le dis tout le temps. Elle est incroyable leur nouvelle pizza. Mais moi, je pensais que 2 heures, ça allait être beaucoup, mais on est déjà à 30 minutes. Le temps qu'on va finir, ça va faire peut-être 40 minutes. T'as goûté ça? Ouais, incroyable. On met dans le barbecue, comme il dit Richie.
C'est incroyable avec le barbecue. Wesh. Désolé. On va goûter celle de Myriam. La campagnarde. T'es une meuf de la campagne. Non, c'est juste que j'aime bien la campagnarde. Comment tu peux dire qu'une pizza n'est pas bonne? C'est pas possible. Feuille, ciseaux, celui qui gagne, il prend la wings. Ah, je sais que tu vas faire la feuille. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Donne le wings, donne le wings, donne le wings. Donne le wings, donne le wings. Donne le... Bah, si tu veux, mais je prends celui-là à la place. Ok. Il est plus gros. Mais calme-toi. Je vais te dire un truc. Ce matin, je vais pas déjeuner. Ce matin, t'as pas déjeuné. Juste pour le défi. Et après, on dit, c'est moi le gros. Regardez. Regardez. Il laisse aucune miette. Mais c'est quoi ce Big Halef? T'as fermé depuis quelle heure? 41 minutes pour ma part. C'est terminé. Et elle, elle met 800 ans à finir. Tu penses que tu vas terminer ou pas? Laisse-moi savourer. Waouh, ça m'a donné chaud tout ça. Transpire d'une asiatique à changer pour la suite. Allez, allez, on avance. Ça fait 50 minutes, on n'a pas le temps, madame. Hein, on y va là, on est sur les chapeaux de roue, les gars, on est excités. Il nous reste encore de la place. Vous allez rigoler où on va y aller. Vous allez taper une barre. Après le salé, c'est le sucré. Ouais. Vous allez rigoler, regardez. La pizzeria où on a été, elle est là où il y a le panneau vert. Et en allant à la pizzeria, j'ai repéré cette boulangerie de malade mental. Elle m'a trop donné envie. Attends-moi, toi, petit monstre. Vas-y, tu viens. Incroyable. Là, mon appétit, il est revenu. Voilà, on y vient. On peut apercevoir des sandwichs. 55 minutes. Ok, faut qu'on se dépêche. Bismillah. Oh, il y a un petit beau gosse. Regardez, en fait, la boulangerie, elle a l'air stylée. Tu sais ce que tu vas prendre? Faut qu'on regarde. Regarde là-bas, il y a des bonnes pâtisseries. Hein. Les bonbons, ça compte? T'as dit quoi? Les bonbons, ça compte? Ah, tu veux prendre des bonbons? Ouais, avec une pâtisserie. On va voir, on va s'arranger. Bah, ouais, le salé, parce qu'on a déjà tapé des pizzas, mais regardez les sandwichs. Oh, ils ont des salades, des sandwichs. Il y a un nouveau sandwich noir. Non, c'est au poulet, je crois. Non, il est tout noir. Après, là, il y a des barquettes de fruits. C'est ça qui nous intéresse, Mimi. Oh là là. Tu sais, t'as des big parts comme ça, ou alors des petites pâtisseries. Moi, je pense que je vais prendre des petites pâtisseries avec des bonbons. Big pâtisserie et bonbons. Vas-y, on va faire notre choix et après, on vous dit ce qu'on prend. La commande est dans la main, on a pris plein de trucs. Myriam, elle a pris une boule de mammouth. Elle triche un peu parce qu'elle mange sur la route, mais bon, c'est un bonbon. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible. Faut qu'il nous reste. Faut qu'il soit au moins 1h30 de temps. Comme ça, il nous reste 30 minutes. Regardez, on repasse. On repasse devant la pizzeria de tout à l'heure. Incroyable. Tu reprends une pizza ou pas? Moi aussi. Mais Younes, regarde, il y a des hamburgers, il y a des tacos. Younes, tu fais quoi si on va les commander? Elle est malade, regardez, là, il y a un truc de tacos, hamburger. Myriam, Yassine, il a dit, on va prendre un fast-food, revenir à la maison, un fast-food à la maison. Bon, on peut prendre ça? C'est de la triche, on a déjà pris ça à la boulangerie. Vas-y, oh. On bombarde, on rentre. On a ramené des pâtisseries, Yassine, 1h12. Ouais. Le temps qu'on mange, en vrai ça va être carré. On va se mettre bien, regardez, par contre dans la voiture elle a pris un bonbon, c'est pas grave. Non c'est pas grave. Ça fait 20 ans que j'essaie de la finir, regardez. Ah ça t'as le temps, je te le dis, hein, t'as le temps. Est-ce que la boulangerie était aussi belle que bonne? En tout cas elle m'a bien donné envie, on va commencer par... En vrai celui-là. Bah, attends, écoute, je vais finir la moitié, regarde. Oh t'as croqué dedans en fait. Alors on commence par deux pâtisseries qu'on a choisies avec Myriam, il y en avait plein. Myriam elle a choisi celle-là. On va déchirer le papier là. Là, elle a pris une pâtisserie spéculoos. Toi, t'aimes bien le spéculoos, hein? C'est Myriam qui a choisi entre toutes les pâtisseries qu'il y avait. Tout le temps, elle prend spéculoos. Bah, la raison, c'est la base. Par contre, faut que t'enlèves ton chewing-gum. Ouais, j'arrête. Et moi, regardez ce que je me suis choisi. Tu perds du temps, dépêche, hein? Dès que j'ai vu le nom, j'étais obligé de prendre une pâtisserie Raffaello. Oh là là. Vous connaissez les boules Raffaello? Ouais, ouais. Je fais la pâtisserie. Vas-y, teste. Il y a une petite étiquette avec leur numéro. Bismillah, je peux commencer? Allez, c'est parti. C'est du plastique. Je suis désolé de faire le forceur avec ma main comme ça, mais c'est un Raffaello en gâteau. Oh, regardez. Dédicace à tous les Raphaël ou pas dédicace à tous les Raphaël? Ouais, dédicace à Nono. Nono s'appelle Raphaël. Toi, ton petit spéculoos. Oh, pourquoi tu me rends comme ça avec ta tête là? Est-ce que vous voulez échanger chacun un croc? Vas-y. Un petit croc. Ok, tiens. Je te laisse faire ton croc d'abord pour voir. Eh, hey, Myriam, s'il te plaît, viens, on fait un truc bien, un croc normal, quoi. Un croc normal. Allez, c'est parti. What? Vous avez vu comment elle est? Vous avez vu comment elle est? On a dit qu'un croc, Myriam. Wow! Mais c'est pas des crocs, ça, c'est... Wesh! Il est incroyable, son truc. Là, il y a des trucs. À ton avis, c'est quoi, là? Il y a un truc, c'est une viennoiserie, mais c'est la base de la base de la base. Un pain au chocolat? Non, pas le pain au chocolat, c'est presque ça. Un croissant?
Non. Un pain suisse. Bah c'est ça, un pain au raisin. Mais non, c'est du chocolat dedans. Et on a un gigantesque croissant au... Oh, par contre, le sucre qui est descendu en moi. Waouh. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. C'est... Bah, c'est du raisin à l'intérieur, non? C'est du chocolat aussi. Pas mal. Myriam va tester le croissant. Avec une bonne crème. Ça, c'est un croissant. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Tu vois le truc qu'il y a dans les galettes? La frangipane. Oh, c'est à l'amande. Oh, la boulangerie de Zinzin, une masterclass. Goûte, je vous dis. On fait un croc chacun, ouais, un petit. Okay. S'il te plaît. S'il te plaît. Barakallah, Oufi. Ok. Oh, Myriam qui fait un petit croc, c'est rare. Oh, Younes, il t'a pas respecté. Myriam. Eh, vous faites quoi? Ça y est, j'en peux plus, frère. Moi aussi, j'ai mangé tous ces gâteaux. Il vous reste 30 minutes. Mais alors, ça y est, là. Eh, si vous voulez, je vais pour vous pour la dernière étape. Non. Ah ouais? Myriam, tu peux. T'es KO? Vas-y, bah je vais pour vous si vous voulez, ok? Bah moi, juste je filme, je viens de filmer. Tu restes là? On va ramener encore. Vas-y, on arrive, on arrive. On arrive. Ok, on n'a pas le temps. Il faut vite que je leur prenne des boissons. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Oh, ça, c'est incroyable. Oasis. Ah, mais non. Il va me dire, ah, c'est pas du zéro vu qu'ils ont mangé grave des pâtisseries et tout. Il va parler. Du coup, faut que je trouve un truc zéro là. Sans sucre. Elle est belle. Oasis tropical sans sucre. On prend ça. Parce qu'on a. C'est quoi ça? What the Fanta? En gros, c'est une boisson, c'est même pas. Tu sais quoi, je la prends sans sucre en plus, c'est parfait, on prend ça. Ok, des gâteaux. Mais je sais même pas s'ils vont réussir avec tout ce qu'ils ont bouffé, mais en vrai, je pense, on va quand même leur prendre. Donc, on a ça, Kinder Joe, on va tester ça, ça a l'air incroyable. Et ensuite, Pepito, Poquitos, ça a l'air. Eh, c'est grave dans les pubs, ça, je vois tout ça dans les pubs. On va prendre ça, c'est parti. On est de retour, Myriam. Mais pourquoi tu boudes? Ça fait une heure, je vous attends, et toi, tu t'es coupé les cheveux. Mais même toi, t'es parti faire une douche. C'est pas de ma faute, il prend une heure, lui, frère. Moi, j'ai fait vite. Lui, il prend une heure, il va se couper les cheveux, il va faire je sais pas quoi. Il... T'es même parti te couper les cheveux, regarde. Eh, hey, je passe devant le coiffeur, il y a personne. D'habitude, il y a toujours 20 personnes. Je sais que le temps, il est écoulé, mais. T'as l'air pas Neymar. Quoi? Ouais, merci. Regarde ce qu'on a trouvé, Yacine. Tu m'as ramené du slime dans une bouteille. C'est pas du slime, c'est une boisson, c'est même pas ce que c'est. Eh, hey, goûte, Myriam, mais dis-nous, ça a le goût de quoi? Un Kinder Duo. Il y a un point d'interrogation. Du coup, les gars, les deux heures, on les a fumés. Je vous dis, j'étais au coiffeur, laisse tomber, frère. Ah, ils ont fumé les deux heures comme jamais. C'est une boîte entière? On va essayer de deviner c'est quoi, genre point d'interrogation. Eh, si la prochaine fois vous voulez qu'on fasse en une heure, et cette fois-ci directement, mettez un max de like. Mettez un max de like, on vous le dit jamais, et abonnez-vous. Regardez, il y a la boisson. Oh là là, on dirait du sang d'extraterrestre. Est-ce que ça a le goût de Itchy? Itchy téléphone maison? Oh, c'est trop bon. Ça a le goût de Itchy? Ça a le goût d'un bonbon. Genre, oh, tu vois les bonbons là. Wow, ouais, les gars, ça a l'air c'est incroyable. Chocolat blanc, chocolat noir. Vas-y, attends, goûte la partie blanche. Est-ce que c'est tes nouveaux gâteaux préférés? Ça se voit, c'est une masterclass. Kinder Duo là, ceux qui veulent tester. Mais ouais, ça y est, moi je peux plus. En vrai, c'est défi raté. Hein. Ouais, défi raté. Ils ont fait en plus de 2 heures. La prochaine fois, on va se rattraper, Inch'Allah. Mettez un max de like et abonnez-vous. Alors, c'est ça pas. Ça a le goût de quoi? L'extraterrestre? Un bonbon. Et pourquoi tu fais ça? Je sais pas, genre c'est un peu acide. Elle aime pas.